Ce n'est pas un match comptant pour le tournoi des cinq nations qui s'est disputé l'autre jour à Tours. Mais quand les étudiants en médecine et en pharmacie décident de s'affronter au rugby, cela est devenu une tradition, on fête joyeusement l'événement. C'est ainsi que joueurs et supporters se sont rendus en cortège bruyant et coloré de leur restaurant universitaire au stade Tonnelly. C'est la sixième fois que ce match avait lieu, les médecins étant donnés comme favoris, ayant remporté la coupe 4 fois sur 5. C'est le professeur Nivière qui donne le coup d'envoi de ce match, qui, comme vous pourrez le constater, a été presque aussi disputé que France-Angleterre. Chaque péripétie de la rencontre était orchestrée par les fanfares de la Fallope et des Beaux-Arts. À la mi-temps, rien n'est encore acquis, les deux équipes sont à égalité, 3 partout. Médecine affirmera sa supériorité dans la seconde mi-temps en battant Pharmacie pour la cinquième fois par 9-3.